quand on voit les fans qui parfois recueillent, que ce soit les mégots ou d'autres détails comme ça, quand on idolâtre quelqu'un, et surtout que je me trouvais dans les coulisses de Bercy, là, l'Accor Hotel Arena, et que je vois sortir des toilettes Mick Jagger. Mick Jagger. Ouais. Donc vous voulez dire Mick Jagger, hein. Mick Jagger, si vous voulez. Rolling Stone. Je le vois sortir des toilettes, mais il y a ça quelques années. Et je me suis dit, tiens, comme j'ai envie de pisser, je suis rentré quand même voir. Et j'ai vu qu'il y avait des petites crottes qui flottaient, vous voyez. Et je me suis dit, c'est sûrement lui, donc je vais essayer d'en piquer une et de les revendre sur Boncoin. Quoi? Non. Moi, j'ai pas pu l'attraper. Quand vous avez tout cherché une crotte. Eh ben, oui, mais on est où là? C'était une petite crotte. T'as vraiment fait ça? Mais pour la peau, je n'ai pas pu les attraper. Hein. C'était un mais peu t'as bien. Essayé? Oui, pour les revendre. Donc, vous n'avez rien pour les mettre. Ah ouais, alors. Eh bien alors, c'est dégueulasse. Ouais. Non, vous avez été plongé. Mais je supposais que c'était les crottes de Mick Jagger, c'est énorme quand même. Mais en fait, non, c'était les crottes de Roger Bouchard, le régisseur. Ils sont moins dégueux que des gars. Ah, bah ça c'est sûr, oui. En festival, il y avait la rappeuse Nicki Minaj. Tout le monde connaît Nicki Minaj. Et je me suis faufilé dans sa loge, elle venait de partir. J'ai pris sa brosse à dents. Dans sa loge, tout était rose en fait. Ouais. J'ai pris sa brosse à dents rose et je l'ai encore chez moi, je me brosse avec. Brossé les dents avec. Quelle horreur. Ouais. Ah ouais. Est-ce que tu savais ce qu'elle avait fait en loge ou pas? Non, mais je En tout cas, on sait ce qu'il a fait Mick Jagger. Mais c'est dingue cette histoire. Bah, franchement, et donc. Non, voilà. C'est vrai, je voulais vraiment. Bah écoutez, on vous appellera Monsieur Caca à partir de maintenant. Merci. We'll be right back.